La famille, les amis, tout le monde est prêt. Et encore une fois, nous sommes heureux d'être là. Mariage civil, donc monsieur le maire sera avec nous. En tout cas, il est déjà présent. Et tout à l'heure, la petite cérémonie administrative d'abord va avoir lieu. Avant, bien sûr, d'enchaîner tout le protocole et, la fiesta qui doit suivre. Merci beaucoup. Je pense qu'avec votre permission, nous allons maintenant commencer avec monsieur le maire. Merci beaucoup. Ensuite, il y a monsieur le maire qui souhaite prendre un mot. Monsieur le maire, s'il vous plaît. Ok. Maintenant d'accueillir avec moi monsieur le maire de la commune de Mitsamioli pour le mariage civil. Il est là, il arrive. Je vous prie. Aujourd'hui, ensemble, nous allons faire le premier mariage civil dans la commune de Mitsamioli. Avant, je me prête volontiers à l'usage de dire quelques mots sur l'engagement que vous allez prendre. Le mariage est un acte public, un lien qui engage les mariés vis-à-vis de la société tout entière. Le mariage est un bien plus que l'union d'un homme et d'une femme. C'est la création d'une cellule élémentaire et fondatrice de notre société. En effet, par votre démarche, vous manifestez votre volonté de bâtir un avenir stable et de fonder un foyer destiné à recevoir que vous éduquerez en leur transmettant nos valeurs communes pour lesquelles ils deviennent des citoyens actifs et lucides. En résumé, des hommes et des femmes debout. Dans votre mariage émergeront des énergies nouvelles, supérieures à vos énergies individuelles. Pour reprendre une figure mathématique en étant scientifique, le mariage, c'est la façon de faire que 1 plus soit supérieur à 2. C'est-à-dire que demain, vous aurez un enfant, cet enfant sera supérieur à vous deux. C'est ce que vous allez promettre aujourd'hui. Devant vos parents, devant vos familles, devant vos amis et devant vos témoins, et avec cette écharpe, c'est un acte d'engagement. C'est-à-dire,
toute une éthique qui n'est pas si répandue aujourd'hui, mais qui, j'en ai la conviction, constitue bien pour beaucoup d'entre nous la marque de fabrique de notre génération. Le mariage, c'est une construction de longue haleine, avec pour ciment non seulement l'amour que vous porterez l'un à l'autre, mais il y a d'autres ingrédients essentiels. Le respect réciproque, la fidélité, l'écoute, de la communication, la patience et l'indulgence, le pardon parfois et la tendresse. Un vœu très amical. La vie réserve beaucoup de joies, parfois aussi des épreuves. En tout cas, beaucoup de surprises. Lorsque je me suis marié il y a 13 ans, quelqu'un qui m'était cher et qui n'est plus là aujourd'hui, dans ce monde, m'avait dit « N'oubliez jamais que dans la vie, il est essentiel de savoir garder le cœur au chaud. » Je vous souhaite, à tous les deux, de savoir en toutes circonstances vous garder mutuellement le cœur au chaud, car c'est la meilleure assurance de se lever. Et nous arrivons à la question fatidique. Nadjila Moussam Ladjao, voulez-vous prendre pour époux Samir Mohamed Hassan? Merci. Samir Mohamed Hassani, voulez-vous prendre pour épouse Nadjila Moussam Ladjao? Je vous déclare unis par les liens du mariage. Félicitations. Thank you.